Les saillots. Un veilleur de nuit noire. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rencontres, Rémi, jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein. Pauvre gosse. Un enfant du soleil, tu te rends compte? Ce gosse a été élevé sous les baobas, si ça tombe. Et maintenant, il est ici sur les chantiers. Quelle horreur. Ça me dégoûte. Ils se croient tout permis, ces gens. Hein. C'est comme ce ciment. Tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois. Hein. La loi de l'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est des économies de bouts de chandelle. Et après, les murs se lézardent. Ça, c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein. Enfin, j'ai été coulé deux maghrébins ici, dans la colonne nord. Hein. Attention, hein. Je les ai tournés vers la Mecque. Hein. Tu peux être sûr que dans 2 ans, on verra leur truc. Ça, c'est certain. Bon, là, on va les couler de Mobutu là-bas. Hein. Regarde-moi ça. En plus, il était beau garçon. Hein. En tout cas, je vous préviens tout de suite, je ne touche pas à ça. Hein. Ça. Quoi? Sida, Rémi. Le sida. Les singes verts. Je n'y touche pas. Prends-le par les caoutchoucs si tu le prends, mais moi, je n'y touche pas. Hein. Puis, regarde-moi ça. Pourquoi les habiller en jaune si on ne doit pas les voir? Enfin, encore heureux qu'il n'y ait pas des chiens, parce qu'en général, ils sont entourés de molosses. Et ça, je n'aime pas. Tu sais que les noirs s'entendent très très bien avec les animaux. Hein. C'est très connu, ça. Ils ont une façon de leur parler, hein. Ça c'est... C'est maman ou jamais, hein. Quoi? De savoir si c'est vrai, cette légende. À propos de leurs proportions. Rémi! Enlève-lui son pantalon ou tu s'en fais. Quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'est écœurant à la fin. Tu te rends compte que ce gosse n'a même pas 18 ans et qu'il est déjà bâti comme un mulet? Oh. Mais tu sais que ces gosses-là, en général, travaillent dans le dancing la nuit. Ils gagnent leur argent souvent avec ça. Lui, ça doit sûrement être un prude parce qu'il travaille sur le chantier. Mais t'en as qui vivent de ça, hein, de leurs membres. Hein. C'est terrible. Ça te fait rire, toi. Ah bon, bien sûr, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi.